Rebonjour les amis. Bon, j'ai décidé de vous porter à vos yeux les livres que j'ai lus il y a bien longtemps et que, à part un, et que ben, si vous voulez les acheter ou les emprunter, voilà, allez-y. Pas mal. Donc, ça s'appelle le premier L'heure des sorcières de Silver Ravenwolf. Bien, très très bien, des petites astuces. Voilà. Édition d'Anaès. Voilà. Ensuite, le livre de la magie de l'œuf. Alors, c'est de. Comment? De trajectoire. De Jean de Lossatière. Non, excusez-moi. Je suis un peu dyslexique. J'ai un peu le mal de le dire. Donc, je reprends son nom de Jean de Lossanière. Voilà. Voilà. Et ben, il n'y a pas de prix. Alors, je ne me souviens plus combien je l'avais payé. Mais voilà. Bon petit livre aussi. On apprend plein de choses. Voilà. Alors, toujours dans l'herbe. Hein. Alors, celle-ci, ce livre, c'est plutôt tourné sur soi-même, sur l'énergie que l'on veut rencontrer aussi, ou extraire de comment, de notre vie. Voilà. Sans faire de mal, bien entendu. Voilà. Ce livre-là, je l'ai payé 25 euros, donc 24,90. Pour moi, c'est 25 euros. Ils me font rire. Bon, enfin, voilà. Donc, le traité d'herboristerie énergétique. Et puis, un autre, la magie verte. La voix de la terre. Donc, bien s'enraciner. Et c'est pareil, un petit livre sympa. Voilà. Vers les 30 euros à peu près, je ne sais plus. Oui, 20, 28,70. Je crois qu'il n'est plus en vente. Je crois qu'il faut chercher sur Internet. Voilà. C'est pareil pour. Il me semble que celui-là, on ne le trouve plus, ou à moins dans. Comment. En vente chez des bouquineristes. Voilà, excusez-moi. Voilà. Et puis, je voulais. Vous tirez quand même deux, trois cartes. Alors j'ai pris comment c'est Nanou, je ne sais pas si vous connaissez son jeu qu'elle nous a fait. Moi je trouve très joli. Il me parle. Voilà. Voilà, moi j'adore ces couleurs. Voilà. Je vous montrerai le mien, hein, quand il sera fait. Voilà. Je ne sais pas Il est si vous voyez. Ah, il est du 11 h soir. du soir. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà.
Donc, je vais tirer les cartes. Hein. Ça commence bien. Alors, avortement, il y a une loi où il y a quelque chose qui devait se passer et qui ne se passera pas. Voilà. Je vais couper. Alors, sensibilité. Donc, pour moi, on est sensible, tous, c'est-à-dire qu'on est, voilà, et on est dans la solitude. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, jouer aux cartes, c'est bête, hein, mais jouer aux cartes avec vos enfants. Faites poser ou pause avec l'ordi, allez chercher, mangez une glace, enfin, réunissez-vous et n'écoutez pas la télé. C'est mauvais la télé. Mauvais, mauvais. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Voilà. Bon, alors le voyage en bateau, la retraite, donc il va y avoir certainement une loi, alors, une loi, pour moi, une loi sur la retraite. Qui était acté et ben la justice vient y mettre son petit nez par-dessus et elle ne sera pas de ce fait. Les gens vont un tout petit peu se mettre en colère parce que leur retraite, ils y tiennent, du moins ce qui reste. Voilà. Bon. Sinon, on est quand même hors de l'eau. Voilà. Hein? Hors de l'eau. Et on est bien chez nous, quand même. Hein? On y arrive, notre cocon. Notre cocon. Voilà. Bon, et eh bien voilà, et puis il y a le voyage. Donc le voyage, c'est très bien. Allez, je vous souhaite une bonne lecture et mes amitiés. Au revoir.